Haïk, ça reste nostalgique pour pas mal d'Algériens. Moi, je l'utilise comme support artistique, comme support de création. Mais pas mal de filles et de femmes qui participent avec nous participent par nostalgie, participent par amour à cette tenue qui a disparu de notre quotidien aussi. Et ce qui me plaît vraiment chez les filles et les femmes actuelles, c'est que chacune rajoute sa touche contemporaine et on voit que le haïk de nos performances ne ressemble pas au haïk de nos ancêtres. Hein? C'est surtout pour la nouvelle génération qui ne connaît pas le haïk. Parce qu'il y a pas mal, la nouvelle génération ne sait même pas c'est quoi un haïk. On a abandonné le haïk pour une longue durée. Donc du coup, il y a des gens qui découvrent le haïk avec nous et ça motive. C'est un truc d'antan. J'ai vécu entre le haïk, donc pour moi, le patrimoine, c'est un truc qui a beaucoup de valeur. Je vois le haïk qui disparaît, je ne le supporte pas. Mais vu qu'il fait partie de l'Algérie, du patrimoine. C'est la vraie identité de la femme algérienne, c'est le haïk. Voilà, il se porte dans plusieurs régions. Mais dans l'Algérois, on porte la voilette. Les bracelets, non. Parce que ne font pas partie du... Elle est futuriste, elle n'est pas traditionnelle. C'est parce que le tissu était de Chine. Et le bleu Chine, non. Le bouffon, c'est d'une seule pièce. D'une seule pièce qui consistait à faire un entourage bouffon, plus l'autre moitié qui revient et qui couvre donc le... Et vous voyez, la voilette n'est pas la voilette moderne. Maintenant, c'était la grande voilette. Vous remarquerez qu'on ne voit rien. Ni les mains, ni les bras, ni rien. Rien du tout. Il n'a pas, c'est pas un caractère religieux. Le haïk, c'est un peu pour l'intimité de la femme. La femme était obligée de mettre... Bon, c'est un peu ce qu'on voit maintenant, mais c'est pas du tout ça avant. Parce que quand une femme portait un haïk bien, comme on dit, avec de belles chaussures à talons, même aiguilles, hein, même aiguilles, et la voilette très jolie, brodée, avec une touffe de cheveux qui sortait. Donc, d'ailleurs, on disait, Khalizini Fout, laisse la beauté passer. Il était bien plié, il était. Enfin, bref. Et alors, dans ce panier-là, il avait de tout. La bataille d'Alger pendant la guerre révolutionnaire, Yacef Saadi et ses fidéines, c'est-à-dire les combattants, ont utilisé le haïk pour passer inaperçu. Donc il a joué un grand rôle dans la révolution et notamment dans la bataille d'Alger, le haïk. Voilà. C'est un peu, il chemine un peu avec l'histoire.